Petite vidéo Abeille et Faubourdon, donc le 4 février 2022. Quatre février. Petit coup de soleil et l'abeille noire, elle sort tout de suite. Elle ramène du pollen et elle trouve un peu de nectar sur les camélias, je crois. Alors, comme on a pu voir sur ma ruche 2, que je sais depuis le mois de septembre qu'elle est qu'il n'y a plus de reine, enfin plutôt octobre. Donc je l'ai laissé vivre tranquillement et évidemment elle a fait un peu de bourdon. Ce qui fait que le 4 février j'ai du faux bourdon dans mon rucher. Ce qui est toujours intéressant. Hein. Non pas pour féconder les reines, mais il n'y en a pas. Mais voilà, on voit des pollens. C'est toujours intéressant d'avoir un équilibre. Donc j'ai. Les faux bourdons qui se baladent là aujourd'hui, il fait chaud, enfin il fait chaud. Il fait 12, 13, un peu plus quand il y a un coup de soleil. Ouais, ils discutent. Hein. Elles discutent entre elles, là, on la voit deux qui parlent. Où c'est que t'as trouvé ça, toi, un peu de pot, t'as trouvé du nectar, toi. Oui, bah là on entend les faux bourdons hein, d'un vol beaucoup plus lourd hein, ainsi qu'un rouge-gorge. Mais là on entend très très bien le vol. Et on les voit, on le voit là, ils sont devant la ruche. Donc c'est une ruche qui est orpheline, mais qui forcément qui a fait du. Elle est bourdonneuse quoi, elle a fait un peu de bourdon. Oui, bah merci de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes vidéos.